et les opportunités inexistantes. Nous souhaitons un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine, basé désormais sur la transformation des ressources. Pour une plus grande coopération entre les peuples congolais et les peuples chinois, pour une prospérité partagée et des échanges de contenu pour nos différents médias. Nous souhaitons un développement du secteur de l'électricité en RDC par une coopération forte avec la Chine afin de doter des infrastructures importantes à nos relations économiques gagnant-gagnant entre la Chine et la RDC. Alors c'est pour moi un honneur d'être témoin du renforcement de la coopération entre la Chine et la RDC comme le veulent nos deux présidents des républiques. J'émets le vœu de voir le numérique être un vecteur important de cette coopération Chine-RDC. Nous souhaitons beaucoup de succès pour le futur et pour le forum. J'invite les investisseurs chinois de venir palper les opportunités agricoles pour le secteur de riz, le secteur de maïs, le secteur de fruits et légumes. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture. Et nous voulons accueillir la technologie chinoise en RDC.